Wallah, je me rappelle plus. Je vais t'envoyer le lien du live. Il y a déjà du monde qui attend là. Ok. Tu me préviens quand c'est bon. C'est bon, là, tu peux y aller, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est bon, ça l'active. C'est bon, ça l'active. C'est bon, tout C'est est parfait. bon. Assalamu alaikum wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bienvenue mes chers frères et mes chères sœurs dans cette nouvelle vidéo c'est en explication les 40 hadiths coraniques nous avons déjà entamé dizaines de hadiths lillahi alhamd 11 hadiths pour être exact. Et nous allons attaquer aujourd'hui le 11e. Donc nous rappelons aux nouveaux spectateurs que le livre en question inclut 40 hadiths vantant les mérites de la lecture, de la mémorisation et de la mise en pratique du Coran. Donc le hadith qui suit est un hadith rapporté par Al-Nasa'i est certifié authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Je lis d'abord en arabe inshallah ta'ala et ensuite nous procédons à la traduction. Al-hadith al-thani ashar kayfiyatu qira'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil-Qur'an. An Hudhayfah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla fa kana idha marra bi ayati rahmatin sa'al wa idha marra bi ayati adhab استجار وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح وعنه رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا هذا حديث qui nous apprend certaines sunan qui sont délaissés par les musulmans lors de la prière. Et il est très important de les connaître car, comme vous le savez tous, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante.
Et elle se perd depuis des siècles. Et quand les sunnahs se perdent, viennent les remplacer ce qu'on appelle les innovations, al-bid'ah. Donc pour rétablir, ou plutôt pour enlever une bid'ah, il faut rétablir les sunnahs. Et sachez une chose, les savants disent que nulle bid'ah, nulle sunnah n'est enlevée sans qu'une bid'ah vienne la remplacer. Donc nous allons voir quelle est cette sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Hudhayfa, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit, et lorsqu'il passait sur un verset de miséricorde, il demandait à Allah azzawajal cette miséricorde. Rappelons que ceci est pendant la prière. Et lorsqu'il faisait un verset où il évoquait un châtiment, il demandait à Allah azzawajal protection contre ce châtiment. Et lorsqu'il lisait un verset où était citée la grandeur d'Allah azzawajal, il s'arrêtait et faisait at-tasbih, rapporté par Ibn Majah. Et dans une autre version du hadith, rapporté par An-Nasa'i, il dit qu'il a prié aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait. Et lorsqu'il a lisé un verset où était cité un châtiment, il s'arrêtait et il demandait protection contre ce châtiment. Et lorsqu'il lisait un verset où il y avait une miséricorde, il s'arrêtait et il demandait à Allah cette miséricorde. Donc, la sunna que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que lorsqu'on lit dans une prière surérogatoire, car il est bien clair dans ce hadith que la prière qu'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une prière surérogatoire. Car Hudhayfa, il dit, Annahu salla ila janbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire que le prière, qu'il n'y avait pas d'autres compagnons, car on ne peut prier à côté de l'imam que si l'on est seul à prier avec l'imam. Donc cela indique que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam priait une prière surérogatoire. Sinon, il y aurait eu d'autres musulmans qui priaient avec lui à ce moment-là. Donc ceci est une prière surérogatoire. Et cette sunna est applicable dans les prières surérogatoires. Lorsque la personne lit, donc bien sûr, les versets après Sourate al-Fatiha, s'il lit une sourate ou certains versets, et que la personne lit des versets de miséricorde, il est autorisé de s'arrêter et de faire doua pour avoir cette miséricorde. Comme il est autorisé de s'arrêter et de demander protection contre un châtiment lorsqu'il est cité dans le Coran et que la personne le lit pendant sa prière surérogatoire. Ceci est une sunna qui est délaissée surtout par les imams pendant la prière de Taraweeh de Ramadan. D'ailleurs, Ramadan approche à grands pas et donc c'est l'occasion pour chaque musulman de remettre, de faire revivre cette sunna et de la mettre en pratique. Donc, il incombe aux imams aussi dans les mosquées de faire revivre cette sunna, ne serait-ce que de temps à autre et pas forcément à chaque prière de Taraweeh, pour que les musulmans sachent que cela vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il serait recommandé aux imams d'expliquer cela aux musulmans avant d'accomplir la prière, pour qu'ils ne soient pas étonnés de ce doua qui, pour eux, a été fait à un moment où il ne devrait pas être fait. Cependant, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le 12e hadith concerne le sujet de en combien de temps le Coran doit être achevé, c'est-à-dire terminé en lecture. Ce hadith est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أجد قوة، قال اقرأه، قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 10، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 7، ولا تزيدن على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له.
Donc, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, dit que le messager d'Allah lui dit, lis le Coran en un mois. Il lui dit, je peux faire plus. Il lui dit, lis le Coran en 20 jours. Il lui dit, je peux faire plus. Inni ajidu quwwah, ça veut dire, j'ai la capacité de faire plus. Il lui dit à ce moment-là, lis en 15 jours. Il lui dit, inni ajidu quwwah, je peux faire plus. Il lui dit, lis en 10 jours. Il lui dit, inni ajidu quwwah, je peux faire plus. Il lui dit, lis en 7 jours et n'en fais pas plus. Là, il y a une sagesse qui émane du prophète alayhi salatu wassalam. Voyez avec moi, il était tout à fait possible que le prophète alayhi salatu wassalam, dès la première réponse de Abdullah ibn Amr, qu'il passe du mois aux 7 jours. Il lui aurait dit, lis le Coran en un mois, et il lui dit, inni ajidu quwwah. À ce moment-là, il dit, lis en 7 jours et n'en fais pas plus. Mais, istadraja, petit à petit, il l'a acheminé jusqu'à 7 jours. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle à un compagnon, il s'adresse à tous les musulmans. Et donc, chacun pourra s'y retrouver entre le mois et les 7 jours. La personne qui peut le faire en un mois, qu'elle le fasse en un mois. La personne qui peut le faire en 20 jours, qu'elle le fasse en 20 jours. La personne qui peut le faire en 15 jours, qu'elle le fasse en 15 jours. La personne qui peut le faire en 10 jours, qu'elle le fasse en 10 jours. La personne qui peut le faire en 7 jours, qu'elle le fasse en 7 jours. Je sais qu'il y a des hadiths qui parlent de 3 jours. Mais là, on ne parle que de ce hadith-là, de ce texte. On va rester sur ce texte. Donc, il faut savoir que même Abdullah ibn Amr ibn al-As, peut-être qu'à ce moment-là, il était capable d'en faire autant. Mais à d'autres moments, il n'aurait pas eu le temps, comme il est rapporté que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il lui arrivait parfois de lire le Coran en 3 jours, ou le Coran en une journée, ou le Coran 2 fois en une journée, ou 3 fois en une journée, ou 4 fois en une journée. Et je peux même vous informer que Uthman ibn Affan, il lui est déjà arrivé de lire le Coran 4 fois la journée et 4 fois la nuit. Vous allez dire, c'est impossible. Pour nous, peut-être, c'est impossible. Pour ces gens-là, rien n'était impossible. 4 fois dans la journée, 4 fois dans la nuit. Et parfois, il le lisait en un mois. Pourquoi toute cette variation? Parce que le temps qu'ils avaient varie. Le temps du libre ou le temps qu'ils avaient, qui leur permettait de faire cela, il était variable. Donc c'est pour ça que le prophète, lorsqu'il conseille Abdullah ibn Amr, il lui donne le choix entre 30, 20, 15, 10 et 7 jours. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, ou vous avez la possibilité de le faire en un mois. Peut-être que demain, vous aurez beaucoup plus de temps libre, comme par exemple pendant ce confinement, et vous pouvez le faire en 15 jours, ou en 10 jours, ou en 7 jours, et ainsi de suite. Chacun selon sa capacité, et chacun selon le temps qu'il veut donner au Coran. Quatorzième hadith, il est recommandé à celui qui lit un verset où il y a une prosternation, de se prosterner. Alors, de quelle prosternation nous parlons ici? Nous parlons des fameuses prosternations qu'il y a après certains versets dans le Coran, et qui sont au nombre de 15. Elles sont au nombre de 15 prosternations dans le Coran. Hein? Vous en trouverez en parcourant le Coran, à la fin de certains versets, vous trouverez un petit signe en forme de mihrab, qui veut dire qu'il est recommandé de se prosterner ici. Alors, ces prosternations sont une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car lui-même les a accomplies. Et il est recommandé de les faire. Pourquoi? Nous allons le découvrir. « An Abi Hurayrata, radiyallahu anhu, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a qal, « Iza qara'a ibn Adam as-sajdata fasajad, i'tazala ash-shaytanu yabki, fayaqul, ya waylaha, أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار رواه مسلم.
Donc là, Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le fils d'Adam lit un sajda, puis se prosterne, un shaytan se retire en pleurant. Et il dit, malheur à moi, celui-ci, il lui a été ordonné de se prosterner. Et il s'est prosterné, et donc il a le paradis. Et moi, on m'a ordonné de me prosterner, et j'ai désobéi. Et donc, j'ai l'enfer. Donc, chers musulmans, il faut savoir que lorsque l'on se prosterne pendant la lecture du Coran, et là, on parle des prosternations qui sont citées, le shaytan se retire en pleurant. Vous imaginez? Et pourquoi donc cela? Parce qu'il regrette. Il regrette, mais les regrets ne lui servent à rien à ce moment-là. Il regrette de ne pas s'être prosterné lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de se prosterner. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fa sajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Pourquoi cela? Parce qu'il a été pris d'orgueil et n'a pas voulu se prosterner. Alors que le fils d'Adam se prosterne pour Allah Azza wa Jalla et sa récompense et le paradis. Et donc il regrette et pleure et il confirme ou il affirme que le fils d'Adam ira au paradis de par sa prosternation et lui ira en enfer à cause de sa désobéissance. Donc beaucoup d'actes d'adoration sont commis par les musulmans sans savoir forcément quelle est la récompense qu'il y a derrière. Et lorsqu'on accomplit un acte d'adoration en sachant parfaitement, avec des hadiths authentiques, quelle est la récompense qu'il y a derrière, c'est encore plus satisfaisant de les accomplir. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle est faite avec science, elle a une grande influence sur le cœur. Elle a une grande influence sur le cœur. Contrairement au fait d'accomplir les actes d'adoration par habitude, par imitation et sans science. Il faut vraiment que la science soit quelque chose qui accompagne vos actes d'adoration. Pourquoi je fais cela? Quelle est la récompense derrière cela? Si je ne le fais pas, quel est le châtiment derrière cela? Et je vous conseillerais un livre qui s'appelle At-Targhib, At-Targhib de l'imam Mudhiri, c'est un recueil de hadiths où pour chaque acte d'adoration, ou chaque chapitre, il va citer des hadiths qui vantent les mérites de tel acte et la récompense, et des hadiths qui relatent les châtiments concernant le fait de délaisser tel ou tel acte d'adoration. Voici pour mes recommandations concernant les actes d'adoration. Donc, voyez avec moi que dans le hadith, il est cité إذا قرأ ابن آدم السجدة. Et là, on ne parle pas de sourate al-sajdة, mais on parle bien de sajda qu'il y a, de la prosternation qu'il y a dans tout le Coran et qui sont au nombre de 15 prosternations. En parcourant le Coran, Inch'Allah ta'ala, et je vous le souhaite, de bout en bout, vous les découvrirez, Inch'Allah ta'ala. Le hadith al-Khamis Ashar. N'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Inch'Allah, le modérateur se fera un plaisir de me les notifier afin que je puisse y répondre à la fin de la séance. Car je ne pourrai pas lire en même temps que je vous explique les hadiths. Alors, كراهة رفع الصوت بالقرآن إذا كان حوله من حوله يتأذى به. Et là, dans ce hadith, on va voir un bon comportement que doit adopter le musulman et qui réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans les mosquées. Voyons ce que dit le prophète عليه الصلاة والسلام. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون. خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الهيثمي
Alors, d'après le Bayhaqi, le prophète والسلام, est sorti alors que les gens étaient en prière. Et leur voix avait, leur voix était haute, c'est-à-dire qu'ils disaient à voix haute pendant leur prière. Ils disaient le Coran à voix haute. Et là, il dit la personne qui prie est en dialogue, ou plutôt discute avec son Seigneur. Donc là, que cette personne s'occupe de ce qu'elle dit à son Seigneur et n'élevez pas vos voix les uns au-dessus des autres lors de votre lecture de Qur'an. Alors, regardez, le Bayhaqi dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti alors que les gens priaient. Donc s'il est sorti, normalement on sort de quelque part pour passer à autre part. Donc les gens, où est-ce qu'ils prient les gens? Les gens prient dans la mosquée. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut sortir et voir les gens prier en même temps? C'est parce que sa demeure, la porte de sa demeure, lorsqu'il sortait de chez lui, il rentrait automatiquement dans la mosquée. Vous imaginez le bien que ça fait de sortir de chez vous et de rentrer dans la maison d'Allah Azzawajal. Vous n'êtes pas encore à l'extérieur. Il sortait de chez lui pour pénétrer dans la mosquée. Alayhi salatu wassalam. Et donc à ce moment-là, il a trouvé les gens en train de prier, une prière surérogatoire, et donc chacun lisait le Coran à voix haute. Et là, il y a un comportement adopté lors de la prière surérogatoire, lorsqu'il y a des gens à proximité. Imaginez le brouhaha que ça faisait à ce moment-là, lorsque tout le monde lisait à voix haute. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur a recommandé de méditer. Pour avoir la méditation, l'humilité, le recueil avec le cœur, parce que la personne en prière, elle est avec son Seigneur. Donc pour avoir tout cela, ce n'était pas possible si tout le monde lisait à voix haute. Pourquoi? Parce que ça perturbe la concentration. Et c'est pour ça qu'il leur a dit de baisser la voix et de ne pas élever la voix lors de la lecture du Coran, pour que chacun puisse se concentrer sur ce qu'il a à dire à son Seigneur. Donc, et là, on parle de quoi, là? Là, on parle des paroles d'Allah Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans, aux compagnons, de baisser la voix alors qu'ils lisent les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez avec moi, aujourd'hui, dans certaines mosquées, pour ne pas dire toutes les mosquées, mais dans beaucoup de mosquées, ce n'est même pas les paroles d'Allah Azza wa Jal qui sont dites à voix haute, alors que d'autres sont en train de se concentrer soit à faire une prière surérogatoire, soit à lire le Coran dans un mushaf, soit à faire du dhikr, et des personnes, comme si de rien n'était, comme si elles étaient au marché, elles commencent à discuter à voix haute. C'est un comportement déplorable de la part d'un musulman, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de baisser la voix alors qu'ils lisaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la meilleure des deux paroles? Est-ce la parole de l'homme ou la parole du Créateur? C'est certes la parole du Créateur. Donc si on nous a ordonné de baisser la voix lors de la lecture du Coran et pendant la prière, donc il est encore plus il est encore plus recommandé de baisser la voix si c'est pour dire des choses mondaines dans la mosquée. Et de préférence sortir de la mosquée si on en a envie de discuter. La demeure d'Allah Azza wa Jal est faite pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, الحديث السادس عشر عن قتادة رضي الله عنه أنه أتى عائشة رضي الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. هنا قتادة هو السائل ويسأل من؟ عائشة رضي الله عنها. وعن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين
أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. Alors, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois on a entendu que la religion, c'est le comportement, que la religion, la meilleure chose dans la religion, c'est le comportement, et c'est pas grave si la personne elle fait des innovations, ou si elle n'est pas sur le droit chemin, ou si c'est une personne désobéissante à Allah Azza wa Jalla, l'important c'est le comportement. Attention, 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 à ne pas tout mélanger. La compréhension, la petite compréhension de la majorité des musulmans de ce qu'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle est erronée. Elle est erronée. Et nous allons voir pourquoi. Car il faut toujours comprendre les paroles d'Allah Azza wa Jal et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'explication de nos savants, qui sont nos premiers savants. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons, radiallahu anhum. C'est les compagnons. Et ceux qui peuvent le mieux expliquer qu'est-ce qui a été... qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azza wa Jal dans ce verset, ou qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tel ou tel hadith? C'est les compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient présents lors de la révélation. Ils savent très bien pourquoi tel verset ou tel verset il a été révélé. Et ils connaissent bien sûr l'explication des versets. Donc nos références en tant que musulmans doivent être en priorité les compagnons. Ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Le Coran, on ne peut pas l'expliquer avec autre chose que leur compréhension. Et il faut savoir cela. Donc je reviens au comportement du prophète. Pourquoi j'insiste sur ce sujet? Car on retrouve beaucoup cela dans notre communauté. Le comportement est beaucoup mis en avant. Et le comportement, comme le comprennent les gens, contrairement au comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons découvrir qu'est-ce que ce comportement. Remarquez avec moi, il y a deux hadiths. Je vais citer deux hadiths. Ces deux hadiths, c'est deux compagnons différents qui posent la question à une seule personne pour avoir des informations sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est Qatada. Il dit... ou plutôt Qatada, est venu voir Aïcha, radiyallahu anha. Il lui dit, ô mère des croyants, informe-moi du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, ne lis-tu pas le Coran? Il dit, bien sûr que si. Elle dit, donc, le comportement du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, était le Coran, apporté par Muslim. L'autre compagnon, c'est Sa'd ibn Hisham ibn Amir. Il dit, je suis venu voir Aïcha, radiyallahu anha, et je lui dis, ô mère des croyants. Regardez tout d'abord comment ils appellent Aïcha, radiyallahu anha. Malgré son jeune âge, il l'appelle ô mère des croyants, car les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes les mères des croyants. Il dit, informe-moi du comportement du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Elle dit, son comportement était Al-Qur'an. Ne lis-tu pas le Qur'an? Le verset « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » et certes tu es doté d'un comportement exemplaire. Un livre rapporté par Ahmed. Alors, qu'est-ce que dit Ibn Kathir sur ce verset? Et là on va revenir à justement la compréhension de la juste compréhension du mot comportement. Ibn Kathir yaqul wa ma'na hadha annahu alayhi salatu wassalam sara imtithalu al-Qur'an amran wa nahyan sajiyatan lahu wa khuluqan tatba'ahu wa taraka tab'ahu al-jibilli.
فما أمره به القرآن فعله وما نهاه عنه تركه هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت. هذا في تفسير سورة القلم. Donc vous pouvez revenir à l'exégèse de Sourate Al-Qalam, la plume, et vous trouverez dans l'exégèse du verset numéro 4, ce qui suit, avec une traduction approximative bien sûr, de ma part. Il dit, Ibn Kathir, il dit, et le sens du verset, « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » et certes tu es doté d'un comportement exemplaire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté les ordres et les interdictions qu'apportait le Coran dans son comportement quotidien, jusqu'à ce que ça devienne chez lui instinctif, quelque chose de naturel. Et il a délaissé sa nature, c'est-à-dire son comportement, ou plutôt il a délaissé son comportement inné pour adopter le comportement du Coran. Et il dit aussi, malgré ce que Allah Azza wa Jalla lui a donné comme bon comportement, comme bonne mœurs et coutumes, comme quoi il cite alors la pudeur, la générosité, le courage, le pardon, la patience et tous les bons comportements, comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait les meilleurs comportements humains. Qu'est-ce qui s'est passé après la révélation? Il a rajouté à ces comportements-là ce qui avait été apporté par le Coran, c'est-à-dire les ordres et les interdictions. C'est-à-dire qu'il avait adopté les ordres du Coran en plus de son comportement et qu'il s'était interdit ce qu'interdisait le Coran, et cela en plus de son comportement, ce qui a embelli le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'Allah Azza wa Jalla a fait ses éloges dans ce verset où il dit « Et certes, tu es doté d'un comportement exemplaire. » Innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est quelque chose de grandiose, l'éloge qu'Allah Azza wa Jalla a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À nous d'en tirer les exemples. Et vous voyez, comme le dit Ibn Kathir, ça dépasse vraiment de loin la compréhension qu'ont les gens du bon comportement. C'est vraiment le fait d'adopter le Coran comme nature et comme pratique instinctive du comportement de la personne. Le hadith 17, جواز قراءة القرآن على الدابة وجواز الترجيع فيه. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ سورة الفتح وهو يرجع. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Alors, ce hadith concerne l'autorisation de lire le Coran sur une monture. Alors, Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Fath, c'est-à-dire le jour de la reprise de la Mecque, et alors qu'il était sur sa chamelle, ou plutôt il était sur une chamelle. Et il lisait Suratul Fath, et il lisait cela avec mélodie. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith? C'est qu'il est autorisé de lire à dos de monture, que ce soit un animal, comme la chamelle, ou autre, le cheval, ou un âne, ou quoi que ce soit, ou comme aujourd'hui, sur un vélo, ou dans une voiture, ou dans l'avion, ou dans le train, etc. Donc, il est autorisé de lire sur une monture, dans un moyen de transport. Et aussi, le fait de lire le Coran avec mélodie. Comme on verra par la suite, c'est fortement recommandé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même ordonné en le recommandant comme une sunna de sa communauté. Nous allons voir cela inshallah ta'ala. Al-hadith 18. Al-nahyu an al-safari bil-mushaf ila bilad al-kufr wal-adwi idha khifa wuqu'uhu fi aydihim.
Donc, l'interdiction de voyager avec le mushaf dans un pays de kofr ou un pays ennemi si l'on craint le fait qu'il tombe entre leurs mains. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن، نهى أن يسافر بالقرآن. نعم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لأرض العدو، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، فإني لا آمن أن يناله العدو. يقول أهل العلم إذا أمن عن القرآن ألا يمزق أو يرمى في الأرض أو يمسه كافر جاز السفر به، إنه يجوز إذا أؤمن على القرآن، إذا أمنت الفتنة عليه. Donc là, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ou plutôt a interdit, le fait de voyager avec le Coran sur une terre ennemie, et par le Bukhari muslim. Et dans une version de muslim, il dit, ne voyagez pas avec le Coran, car je crains qu'il tombe entre les mains de l'ennemi. Les savants disent, si la personne est sûre que le Coran ne tombera pas entre leurs mains et qu'il ne sera ni déchiré ou ni jeté par terre ou ni touché par un kafir, il est autorisé de voyager avec. Il est autorisé de voyager avec le Coran. Alors, un hadith, j'espère que beaucoup, Inch'Allah, se reconnaîtront dans ce hadith. On essaie toujours d'avoir le bon soupçon de nos frères et nos sœurs. Concerne le fait que doit faire le musulman lorsqu'il lit le Coran à tel point qu'il commence à somnoler, donc à des heures tardives par exemple. Lorsqu'il lit le Coran, il est pris de sommeil. Qu'est-ce qu'il fait ? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول قال فليضطجع رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque l'un d'entre vous se lève pour accomplir une prière nocturne et que le Coran devient lourd sur sa langue, tout ça à cause du sommeil bien sûr, et jusqu'à tel point qu'il ne sait plus ce qu'il dit ou ce qu'il lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce moment-là, il dit, si le musulman arrive à ce point-là, qu'il aille se coucher. Qala falyadhtaji'. Qu'il se couche. Qu'il aille se coucher, yani pour dormir. Pourquoi ? Certains pourraient dire, non, il faut que je termine ce que j'avais prévu de faire. Non, car si la personne ne sait plus ce qu'elle dit, elle peut très bien dire autre chose que le Coran. Et Shaitan peut venir profiter de cette occasion pour faire dire à la personne certaines choses. Peut-être même le fait de s'insulter soi-même, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version du hadith. Il peut arriver que la personne arrive à un moment où elle s'insulte elle-même, parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Parce que Shaitan va profiter justement de cette fatigue pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc, parce que le musulman doit avoir une maîtrise totale de ce qu'il fait, le prophète alayhi wa sallam conseille à ce moment-là d'aller se reposer, d'aller s'allonger pour se reposer. تعليق فاستعجم القرآن أي استغلق عليه ولا يستطيع لسانه النطق به لغلبة النعاس لذا عليه أن يدع القراءة.
Alors, dernier hadith, après je répondrai aux questions, inshallah, s'il y en a. Le hadith l'Ishrun. On est toujours dans le bon comportement à avoir. Et là, le professeur Aslam, il va nous enseigner qu'est-ce que dit le professeur à son élève lorsqu'il veut qu'il cesse de lire le Coran. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه il dit que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام lui demanda de dire il dit اقرأ علي لي moi اقرأ علي عبد الله بن مسعود lui dit oh messager d'Allah veux-tu que je te lise le Coran alors qu'il t'a été révélé ? Il dit alors, oui. Alors Abdallah Moussaoud dit, j'ai lu Sourate al-Nisa jusqu'au verset 41. « فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِدًا » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « حَسْبُكَ الْآنِ » « حَسْبُكَ الْآنِ » « Cesse maintenant. » Et là, Abdallah ibn Mas'ud dit, il s'est tourné vers lui, et là, il a vu les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam en larmes. Donc, c'est une autre version du hadith que l'on a vu, je pense, hier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de lire, il dit, veux-tu que je te lise le Coran alors qu'il t'a révélé? Il lui a dit, j'apprécie l'entendre d'autrui. C'est une autre version. Dans la première version, on a vu avec le terme « j'apprécie l'entendre d'autrui » le fait qu'il était recommandé ou autorisé d'écouter le Coran d'autrui. Hein? Et on pouvait demander à quelqu'un de nous lire le Coran pour pouvoir écouter sa lecture. Hein? Donc on avait vu que la personne qui lisait, elle devait avoir l'intention par cela d'exhorter l'auditeur à la parole d'Allah Azza wa Jal par le biais de sa lecture. Et dans cette version du hadith, ce qu'on va retenir, c'est le terme hasbuk al-an. Donc là, le professeur, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, l'élève, c'est Abdullah ibn Mas'ud, le prof demande à l'élève de lire, l'élève s'exécute, et lorsque le professeur veut que l'élève arrête ou stoppe sa lecture, il lui dit hasbuk al-an. Hein? Ou alors hasbuk. Hasbuk aussi, donc c'est beaucoup utilisé par les professeurs. Voilà donc pour... et pourquoi le professeur Aslam pleurait à ce moment-là, pourquoi il avait les larmes aux yeux? C'est parce que le verset que disait Abdallah ibn Mas'ud à ce moment-là, c'est le verset 41 de Sourate al-Nisa. Je vous avais conseillé hier d'ouvrir votre mushaf pour pouvoir vérifier le verset. Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait? Alors, est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce que certains d'entre vous ont lu le verset 41 de Sourate al-Nisa pour comprendre pourquoi le professeur Aslam a eu les larmes aux yeux à ce moment-là? C'est parce que ce verset, il le concerne personnellement. Voilà pourquoi. Donc, l'idéal, ce serait que quelqu'un fasse un copier-coller sur le chat avec la traduction du verset. J'ai peur de traduire moi-même et de dire une bêtise. طيب, Inch'Allah ta'ala, n'aktafi bihada al-qadr. On va s'arrêter sur ce hadith qui est le 20e. Donc il nous restera 20 hadiths, Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer de lire d'abord un petit peu vos questions. Alors, si le modérateur veut bien m'envoyer les questions. Salahdine, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, il y a plusieurs questions. La première, oui. C'est comment effectuer la prosternation lors de la lecture du Coran? Alors, la manière la plus parfaite d'effectuer la prosternation, c'est de se lever
et de se diriger vers la Kaaba et de faire la prosternation à partir de la position debout. Ça, c'est la meilleure manière de le faire. Mais on peut très bien le faire de l'endroit où on est. C'est-à-dire, si on est assis, on le fait à ce moment-là sans se lever. Et nous faisons la prosternation. Et vous dites Subhanallah al-A'la comme dans une prosternation et vous faites vos doigts, tout simplement. Est-ce que cette prosternation nécessite les ablutions ou pas? La plus réputée des paroles des savants, c'est qu'elle ne nécessite pas le fait d'avoir ces ablutions, car ce n'est pas une prière. On fait des ablutions pour la prière. Mais cette prosternation n'est pas une prière. Donc, il est autorisé de la faire sans ablution. Mais la meilleure des manières de le faire, c'est bien sûr, lorsqu'on lit le Coran, c'est d'avoir ses ablutions, d'être bien habillé, de s'asseoir dans un endroit propre, de préférence que cet endroit soit réservé à la lecture du Coran ou à la prière. Et le meilleur des endroits, c'est la mosquée. Ou alors, dans votre demeure, toujours avoir un espace réservé pour la lecture du Coran ou les prières. Et s'asseoir en direction de la Qibla et lire le Coran dans le mushaf est encore mieux que de le lire de tête si la personne ne le connaît par cœur. Car il y aura deux récompenses. Car il faut savoir que le regarder, lire dans le mushaf est un acte d'adoration. Poser les yeux sur le mushaf est un acte d'adoration et les compagnons jouissaient de cela ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Hein, ils ne se privaient pas de regarder des pages du Mus'haf. La deuxième question, c'est à partir de quel moment on devient un shir? À partir de quel moment on devient un shir? Je ne peux pas répondre à cette question. Une autre question. Question, restons dans le sujet. Alors, dans le sujet, j'ai d'autres questions. Comment, donc, peut-on prier les yeux fermés pour être plus concentré? La sunna, c'est que d'ouvrir les yeux. Le professeur Asselin, il avait les yeux ouverts. Si la personne voit qu'elle n'est pas concentrée lorsqu'elle a les yeux ouverts, tout d'abord, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son champ de vision qui perturbe justement la personne? Est-ce que la personne, elle regarde l'endroit où elle se prosterne ou elle regarde devant elle? Si elle regarde l'endroit où elle se prosterne, est-ce que le tapis est uniforme, sans motif? Ou est-ce que c'est un tapis avec des motifs? À ce moment-là, on essaiera de changer donc, le tapis ou le sol pour le mettre quelque chose qui n'a pas de motif. Hein? Si à partir de là, la personne n'arrive toujours pas à se concentrer, donc à ce moment-là, oui, c'est autorisé de fermer les yeux. Tout à l'heure, tu as parlé du hadith de Hudayfa dans lequel il disait qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parfois il faisait... Il invoquait Allah et il demandait pardon, et il demandait refuge contre l'enfer. Est-ce que tu peux répéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver? Et deuxièmement, il y a une personne qui a demandé, est-ce que le prophète, on peut faire des doigts spécifiques à ce moment-là? Attends, je retrouve le texte. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Juste retrouver le texte. Voilà, donc le hadith de Hudayfa où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc priait et lorsqu'il lisait un verset de miséricorde, il demandait cette miséricorde pendant la prière et lorsqu'il lisait un verset où il y avait un châtiment qui était cité, il demandait à Allah Azza wa Jalla la protection contre ce châtiment. Et lorsqu'il lisait un verset où était cité la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, il faisait at-tasbih. Rawah ibn Majah. Et le hadith a été certifié authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et d'après Hudayfa aussi, il dit qu'il a prié aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il passait sur un verset de châtiment, il s'arrêtait de lire et demandait protection contre ce châtiment. Et lorsqu'il lisait un verset de miséricorde, il s'arrêtait et demander cette miséricorde à Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith concerne les prières surérogatoires. Comme je le disais tout à l'heure, et ça on peut le remarquer parce que Hudayfa a prié à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut prier à côté de l'imam que s'il n'y a personne d'autre. S'il y a une troisième personne, on mettra deux personnes en arrière et l'imam devant. Mais comme il a prié à côté de lui, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul.
Donc s'il était seul, c'est qu'il était en train de prier une prière sûre et obligatoire. Voilà pourquoi ceci est autorisé en prière surérogatoire. Et donc, comme la prière de Tarawih. C'est pour ça que les imams, ils se doivent de faire revivre cette sunna délaissée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant les prières de Tarawih, lorsqu'ils lisent le Coran, s'ils arrivent sur des versets de miséricorde, ils demandent à Allah azzawajal cette miséricorde. Lorsque le paradis est cité, il fait le doigt, il dit Allahumma arzuqna al-jannah. Si l'enfer est cité, il dit Allahumma inna na'oudhu bika min an-nar. Ce genre de doigt. Et lorsqu'il la grandeur d'Allah Azzawajal est cité, il dit Subhanallah, Subhanallah Rabbiyal Azim, et ainsi de suite. Non. D'accord. Alors, il y a une question. Comment réussir à se concentrer dans la prière? Comment? Se concentrer dans la prière. Comment se concentrer dans la prière? La concentration dans la prière, elle débute avant même de faire la prière. Il y a beaucoup de choses qui viennent au préalable avant de faire la prière pour pouvoir avoir la concentration dans la prière. La première chose déjà, c'est de ne pas faire les ablutions. La deuxième chose, c'est de faire les prières surérogatoires avant de faire la prière. La personne qui attaque automatiquement la prière obligatoire, elle n'aura pas la concentration. Il faut faire des prières surérogatoires avant d'accomplir la prière obligatoire. Et bien sûr, essayer de se dégager au maximum des responsabilités immédiates avant d'accomplir la prière. Hein, des choses immédiates. Je ne sais pas moi, ça peut être une cocotte sur le feu. Si vous n'éteignez pas le feu, même si vous venez de mettre la cocotte sur le feu, vous allez avoir peur de brûler le repas, et ainsi de suite. Donc les choses qui sont dans l'immédiat, il faut s'en débarrasser tout d'abord. Un bébé qui pleure, est-ce que je lui donne son biberon avant de faire la prière ou après? Non, je lui donne son biberon avant, pour que je puisse prier tranquille. Si je le laisse pleurer et que je fais ma prière, je ne serai pas concentré. Car j'aurais envie d'écourter ma prière le plus rapidement possible pour pouvoir aller donner le biberon au bébé. Et ainsi de suite. Là. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions. En Inch'Allah. jama, c'est obligé de faire deux rak'at? Pardon? Est-ce qu'une personne qui rentre à la mosquée, c'est obligé de faire deux rak'at? Je vais répondre à cette question et ce sera la dernière concernant les sujets autre que le Coran. Il faut bien qu'on soit clair. Les cours que je donne concernent exclusivement le Coran. Donc les questions, il faut qu'elles soient exclusivement orientées vers le Coran. Pas de questions de jurisprudence autre que sur le Coran. Il y a des gens pour cela, posez-leur les questions. Hein, je n'aime pas sortir de ma spécialité, hein, pour pas dire de bêtises. Hein. Si chacun, comme disait l'imam Malik, parlait juste de ce qu'il connaît, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui dans la communauté. Hein. Donc, moi, ma spécialité, c'est le Coran et les sciences du Coran. Toutes les questions concernant cette science-là sont les bienvenues. Les autres, posez-les aux gens qui ont cette science. Donc, entrer dans une mosquée, est-ce que ça veut dire je prie deux rakaat? Non. Par contre, s'asseoir dans une mosquée, oui, rend obligatoirement la prière de deux rakaat avant de s'asseoir dans la mosquée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe le moment auquel vous rentrez à la mosquée, que ce soit même dans des moments où il est interdit de prier, ça reste une prière obligatoire. C'est comme une prière obligatoire, parce que l'obligation, elle émane du fait que vous allez vous asseoir dans la mosquée. À ce moment-là, si vous ne voulez pas prier pendant ce moment-là, vous asseyez pas, tout simplement. Non. Alors, il y a une dernière question, je pense. Même si la réponse a peut-être été dite, je pense que le rappel peut être positif. Est-ce qu'on doit faire une invocation pendant la prosternation de la lecture du Coran? Est-ce qu'il y a une invocation spécifique? Est-ce qu'on peut en rajouter d'autres de soi-même? Il y a une invocation spécifique, les savants ont divergé sur son authenticité ou pas, donc je ne vais pas la citer, mais n'importe quelle invocation fera l'affaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a une invocation à faire quand on a fini de lire tout le Coran? Il y a des gens qui disent qu'une fois qu'on a fini de lire tout le Coran du début jusqu'à la fin, on doit faire une doha.
Il est autorisé de faire des doigts pour chaque acte d'adoration que l'on accomplit. Et terminer le Coran, certes, est un acte d'adoration où l'on peut faire un doigt. Mais est-ce qu'il y a un doigt spécifique, comme ceux que l'on trouve à la fin du Mus'haf? Là, on dira non. Car le prophète sallam n'a pas eu d'invocation spécifique à la fin de la lecture du Coran. Mais pour chaque acte d'adoration, la personne peut faire des doigts après avoir fait un acte. C'est comme quand vous faites une aumône, vous pouvez demander à Allah Azzawajal quelque chose en contrepartie de cette aumône. Demandez à Allah Azzawajal qu'il améliore votre comportement à vous et à votre famille. C'est un très bon doigt, cela, quand vous faites une aumône. Hein? Allahumma zakkini biha. Hein? قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. Mais de là à dire qu'il y a une invocation spécifique comme celle que l'on trouve dans certains livres, non, cela est erroné. Je crois que alors, Hamza, j'ai pas vu ta question. Est-ce que celui qui a hafid le Coran, mais qui n'est pas quelqu'un qui connaît le Coran, mais qui connaît pas le sens, est-ce qu'il est récompensé? Bien sûr qu'il est récompensé pour ce qu'il a appris par cœur. Allah, il ne lèse personne. Personne n'est lésé avec Allah Azzawajal. Il aura la récompense de ce qu'il a appris, bien sûr. Car la personne, elle a appris le Coran, elle lit, donc elle a la récompense de sa lecture. Hein? Mais de là à dire qu'il n'aura rien du tout parce qu'il n'a pas compris, il sera peut-être moins récompensé que quelqu'un qui l'a compris, mais la compréhension, elle est obligatoire dans ce qui est obligatoire. La compréhension du Coran, elle est obligatoire dans ce qui est obligatoire. Quand Allah Azza wa Jalla dit wa fakihatan wa abba, dans Sourate Abasa, on a demandé à Abu Bakr qu'est-ce que c'est abba. Il a dit le fakiha, nous savons ce que c'est, les fruits. وأبا قال أي سماء تؤويني وأي أرض تحملني إن قلت في كلام ربي ما لا أعلم. Quel ciel pourrait m'abriter ou quelle terre pourrait me supporter si je disais dans la parole d'Allah ce que je ne sais pas? Est-ce que Abu Bakr à ce moment-là était dans le péché parce qu'il ne connaissait pas l'explication d'un mot dans un verset? Non. Parce que la compréhension de ce mot-là, elle n'était pas, c'est pas en relation avec quelque chose qui est obligatoire dans notre religion. Mais comprendre les versets de l'halal et de l'haram, toutes ces choses-là qui sont obligatoires pour le musulman, ça, c'est obligatoire pour le musulman. D'accord. Alors, il y a quelques autres questions. Il y en a une, si je commets une erreur dans la lecture du Coran, sans savoir que c'est une erreur, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que la personne a fait les causes pour lire le Coran conformément à la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça que je poserai comme question, moi. Si la personne a fait les causes, a cherché à s'instruire, ou est en phase d'apprentissage, et qu'elle commet une erreur, à ce moment-là, au contraire, elle est récompensée, je ne vais pas dire pour ses erreurs, mais elle est récompensée pour sa lecture, malgré les erreurs qu'elle peut commettre. Mais quelqu'un qui ne cherche pas à apprendre à lire comme il se doit, et qui veut lire comme bon lui semble le Coran et qui commet des erreurs, à ce moment-là, il n'aura pas de récompense et il peut avoir des péchés, il D'accord. faut bien comprendre que, parce que j'ai pas envie de partir sur le statut du Tajwid, de qu'est-ce que c'est que le Tajwid, etc. On en reparlera, inch'Allah, dans une prochaine séance pour que les gens comprennent bien. Qu'est-ce qu'il incombe de ne pas savoir lire le Coran avec les règles de Tajwid? Les règles de Tajwid ne sont pas faites juste pour embellir. C'est le fait de prononcer les lettres comme le prononcent les Arabes. Car aujourd'hui, avec. Et là, je vais parler que de la communauté musulmane en France. Avec la langue française qui est dominante, qui est prédominante sur le langage des gens. Certaines lettres qu'ils croient prononcer comme il se doit en arabe, en fait, ils prononcent d'autres lettres. Et le fait de changer une lettre par une lettre dans un mot va changer le sens du mot, et donc va changer le sens du verset. Et peut-être que la personne a dit des choses abominables lors de sa lecture du Coran, et il sans le savoir. C'est pour ça qu'il est très important pour l'ajam d'apprendre la langue de Tajwid, et pour tous les musulmans, de toute façon. Non.
Alors, il y a une question qui est intéressante. La personne a dit, est-ce que je dois faire les ablutions pour lire le Coran en langue française? Alors, il faut savoir que Coran en langue française, ça n'existe pas. Le Coran, il est qu'en langue arabe, il n'est pas dans une autre langue. Tout ce qu'il y a dans les autres langues, on appelle ça la traduction du sens des versets du Coran. C'est une traduction du sens. Ça ne peut pas être une traduction du Coran. Le Coran, il n'est pas traductible. On dit traduction du sens. Donc, ce n'est pas du Coran. Donc, les personnes qui lisent en français, ils n'ont pas pour chaque lettre dit Hassanat. Ça, il faut le savoir. Ils sont récompensés parce qu'ils accèdent au sens du verset. Donc, c'est comme s'ils lisaient des hadiths ou lisaient un livre religieux quelconque. Hein, mais ils n'auront pas la récompense de dit Hassanat pour chaque lettre. Ça, c'est réservé au Coran en langue arabe. Non. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Inch'Allah, c'est tout bon. Oui, Merci barakallahu à tous ceux qui nous ont suivis. Et demain, Inch'Allah, même jour, même heure, à fik. 7 Inch'Allah. heures. Inch'Allah. Et pour ceux qui on n'a pas posé répondu aux questions, on essaiera de répondre demain, Inch'Allah. Barakallahu fikoum à tous. Et Jazakallah Oui, barakallahu. Salam alaykoum.